Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Kiki Sport. Ici, nous explorons le monde passionnant des deux roues, des compétitions palpitantes aux moments captivants des riders. Préparez-vous à plonger dans le monde du cyclisme. Prêt à analyser avec nous? Commencez. Dans un décor absolument splendide et une ambiance incandescente, l'équipe de France de cyclisme a rapporté deux nouvelles breloques samedi grâce à un magnifique travail d'équipe. Leader annoncé des Bleus sur le papier, Julien Alaphilippe est reparti bredouille mais le contrat est rempli avec les deux médailles de ses coéquipiers. La France continue de faire sensation avec ses performances exceptionnelles. Samedi, avant que l'équipe de judo menée par Teddy Riner ne remporte le titre par équipe, Valentin Madouas et Christophe Laporte ont fait forte impression lors de la course en ligne de cyclisme. Malgré la victoire du Belge Remco Evenepoel, les Français ont montré leur talent et leur détermination. Julien Alaphilippe, bien qu'il n'ait pas terminé sur le podium, a terminé 11e et peut repartir avec la satisfaction d'avoir donné le meilleur de lui-même dans sa quête de l'or olympique. C'est une belle démonstration de l'esprit sportif et du haut niveau des athlètes français. Julien Alaphilippe a vraiment montré un grand esprit sportif dans ses commentaires. Malgré la déception de ne pas avoir décroché une médaille, il reconnaît la supériorité de Remco Evenepoel et se réjouit des performances de ses coéquipiers, Valentin Madouas et Christophe Laporte. Son attitude souligne la solidarité et la cohésion au sein de l'équipe française, en mettant en avant le fait que chaque membre a contribué au mieux. Il est aussi admirable qu'il ait pris le temps de féliciter Evenepoel, son ami et ancien coéquipier, pour son succès olympique. C'est ce genre de soutien mutuel qui enrichit véritablement l'esprit du sport. Julien Alaphilippe exprime clairement son admiration pour Remco Evenepoel, soulignant sa progression et sa force accrue au fil des années. Ses commentaires mettent en lumière non seulement le respect qu'il a pour le talent d'Evenepoel, mais aussi son soutien sincère envers son ami et concurrent. La reconnaissance de la manière dont Remco a évolué et s'est amélioré ajoute une dimension personnelle et professionnelle à leur relation, illustrant la camaraderie qui peut exister même parmi les plus grands rivaux. C'est un bel exemple de l'esprit de compétition respectueux et du soutien mutuel qui caractérise les meilleurs athlètes. Merci de poursuivre avec nous votre passion du cyclisme. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines courses et des dernières actualités du monde du cyclisme. À bientôt sur notre chaîne, où chaque coup de pédale nous rapproche de l'excitation et de la beauté du cyclisme. Bonne santé.